mes parents m'ont toujours dit, si tu fais un métier, fais ce que tu veux, mais ne fais pas photographe. Allez savoir pourquoi. Moi, j'avais démarré, quand vous avez 14-15 ans, on fait les petits jobs de l'été, on essaye de voir un petit peu, enfin, on fait quelque chose dans l'été, pendant les vacances, plutôt que d'aller, j'ai essayé un petit peu dans la restauration, un petit peu quelques trucs comme ça, mais après, j'ai été attiré par, tant qu'à faire, venir travailler un petit peu ici, donc, enfin, au bureau avec mon père, où je faisais ce que fait un apprenti, c'est-à-dire, au début, vous classer des négatifs ou vous aider à les couper, vous allez faire des livraisons, puis ça m'a permis de découvrir un petit peu, de toucher un petit peu ce que j'entendais mon père me parler depuis. Je voyais lui, il a des rendez-vous, il a des choses à faire quand vous êtes gamin. J'ai rendez-vous ici, là j'ai rendez-vous là maintenant, là il faut que je reparte. Donc même si j'avais bien conscience que qu'effectivement c'était prenant, j'avais quand même envie. Donc les premiers contacts que j'ai eus, c'est juillet-août sur Cannes. Et puis, à 18 ans, plus ou moins, bien qu'effectivement, il m'ait toujours dit de faire autre chose, j'ai dit quand même, ça, j'avais goûté un petit peu, j'ai dit, il y a quelque chose là, il faut que je vois, moi de visu, j'aille voir si vraiment ça me plaît.